si nous échouons, parce que le combat est rude. Il ne faut pas baisser les bras. Tant qu'il vous reste du souffle, levez-vous, levez-vous. Tant qu'il vous reste du souffle, levez-vous. Ne baissez pas les bras, n'abdiquez pas. Même si vous avez un genou à terre et que vous êtes face à votre adversaire, levez-vous. Tant qu'il y a de quoi mouvoir votre corps, levez-vous. Ne baissez pas les bras, ne baissez pas les bras face à votre adversaire. Tant qu'il y a de l'espoir, levez-vous, n'abandonnez pas, n'abandonnez pas. Même si vous enchaînez les échecs et les échecs et les échecs, parce que par Allah, dans l'échec, il y a un moyen de vous améliorer. Levez-vous, n'abdiquez pas, n'abattez-vous pas, ne renoncez pas, ne renoncez pas. Et quand bien même, après avoir donné le meilleur de vous-même, vous avez perdu, alors sachez que derrière la défaite, il y a en réalité une victoire, une victoire, une victoire. Si par cette dernière, vous êtes mort en ayant défendu avec fierté vos valeurs, vos principes et vos idées. Vos valeurs, vos principes et vos idées. Vos valeurs, vos principes et vos idées. Inna alhamdulillahi, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu.